Comment faites-vous pour établir le diagnostic? Nous avons plusieurs méthodes pour diagnostiquer l'arthrose. Notamment, et c'est parfois important, très important, un temps important, c'est l'interrogatoire qui permet d'obtenir votre description des signes et des symptômes, ce que vous ressentez, de leur apparition et de leur retentissement sur votre vie quotidienne. Un examen physique des articulations touchées, comportant une évaluation de la flexibilité, de la mobilité et parfois de la déformation. Une analyse radiologique des articulations pour identifier la perte de cartilage, pour voir les lésions osseuses et la présence d'ostéophytes éventuelles. Dans certains cas, les médecins peuvent vous demander de subir une IRM. On pourra également demander une analyse du liquide à l'intérieur de l'articulation touchée, en aspirant ce liquide et en le donnant à analyser au laboratoire. Des analyses de sang également, afin d'éliminer d'autres causes de problèmes articulaires. Et puis, l'observation de saillies osseuses dans les articulations médianes, appelées nodosités de Bouchard, et des articulations distales, que l'on appelle les nodosités d'Eberden, au niveau des doigts. Quels sont les traitements disponibles pour combattre l'arthrose? Les traitements possibles comportent la physiothérapie, la kinésithérapie, pour améliorer la mobilité et la flexibilité. Les médicaments pour prendre en charge la douleur, mais également la chirurgie. Il faut discuter avec votre physiothérapeute, kinésithérapeute ou votre ergothérapeute des aides à la vie quotidienne, comme les cannes, les marchettes ou également les attelles si vous souffrez d'arthrose. Des médicaments simples peuvent suffire pour traiter la douleur et le gonflement de l'articulation au début, quand les symptômes sont légers. Mais des médicaments prescrits sur ordonnance par votre médecin sont nécessaires pour le soulagement de symptômes plus avancés, de symptômes plus graves et également plus douloureux.